Chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Aujourd'hui, dans ce face-à-face, nous allons parler de l'architecture. Aujourd'hui, dans ce face-à-face, nous allons parler de l'urbanisation. Vous le savez, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une ville avec 12 millions d'habitants, c'est quand même beaucoup, mais... Ces 12 millions d'habitants occupent pratiquement un tiers de la ville de Kinshasa et une autre partie de la ville n'est pas habitée. Nous allons nous poser la question, est-ce que la partie qui est habitée, elle est urbanisée, l'autre partie n'est pas urbanisée? Nous allons nous poser ces questions. Nous allons nous poser aussi la question, comment pouvons-nous urbaniser la ville de Kinshasa? Et pour en parler aujourd'hui, nous voulons savoir si la ville de Kinshasa est urbanisée ou pas. Pour en savoir, aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau l'architecte Nyamadjomi Meizo Miché, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte de formation, vous êtes également homme d'affaires. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. La première question que je vais vous poser est celle de savoir, est-ce que la ville de Kinshasa est urbanisée? Au fait, pour ainsi dire, la ville de Kinshasa est urbanisée, pour répondre déjà à la question. Oui. Elle est urbanisée, seulement qu'il y a quelques petits pépins qui parfois dérangent ce qui a été conçu dès le départ par rapport à l'urbanisation de la ville. Et toutes ces cités qui sont parasatellitaires qui viennent s'ajouter sur ce qui est l'urbanisation de base de la ville province de Kinshasa. Voilà. La ville de Kinshasa, vous avez dit que la ville est urbanisée. Quels sont les indices qui peuvent nous montrer qu'une ville est urbanisée et une autre ne l'est pas? En règle générale, c'est difficile de dire qu'une ville n'est pas urbanisée parce que déjà... Quand on met le concept ville, déjà on sous-entend qu'il y a eu un travail de fond par rapport à l'urbanisation qui, dans son champ, implique l'organisation qui est relative à l'aménagement des espaces dans un territoire donné. Donc déjà, la ville de Kinshasa, on peut considérer qu'elle est urbanisée. À quelques points près, nous sentons qu'à certains lieux, il y a vraiment un certain désordre qui vient justement bouleverser cette urbanisation de base qu'elle a déjà depuis longtemps. Voilà. Est-ce que la ville de Kinshasa, vous avez parlé tantôt du plan d'aménagement, ce plan d'aménagement de la ville de Kinshasa est-il respecté? En somme, le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa est respecté, comme je vous ai dit il y a quelques pépins près. Il y a des communes comme des cités qui se sont indexées ou annexées plus tard, par rapport à ce qui a été fait à la base par les Belges, enfin les anciens colons. Et dans les années 60 et 70, il y a eu encore certains changements pour créer d'autres communes. Mm-hmm. Entre autres, je vois l'occurrence Maluku qui a été créée pratiquement en 1968. Donc voilà, et ça fait un peu quand même la différence par rapport à ce qu'il y avait avant. Et on a senti qu'avec le temps, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de cités qui n'ont pas suivi le tracé urbanistique. Et ces cités-là, nouvellement créées, n'ont pas suivi les tracés urbanistiques. Aujourd'hui, nous pouvons dire que seules les communes laissées par le colon sont urbanisées. Je ne pourrais pas dire ainsi vraiment, parce que l'urbanisation dépend du contexte et de l'implication de non seulement... je peux te donner un exemple, de la population en place, parce que la population en place aussi a des besoins qui sont liés à l'organisation du territoire, l'aménagement spatial, qui justement fait qu'à un certain degré, il faut qu'il y ait une implication et de l'urbanisme, du ministère de l'urbanisme, comme je peux le dire, et de la population, cette interaction-là, pour répondre aux besoins qui se présentent. Donc, en dehors des communes laissées par les colons, il y a aussi des communes qui respectent justement les tracés urbanistiques. Lesquelles par exemple? Je peux même donner l'exemple de Maluku, quand bien même qu'on n'a pas su vraiment faire fleurir
le système urbanistique tel qui devrait se faire. Parce que si nous, quand nous réalisons pour Maluku, c'est pratiquement le 4/5 de la superficie de la ville de Kinshasa, soit 7988 km² à peu près. Et il n'y a qu'une seule partie qui est occupée, une petite densité, pratiquement 23 habitants par km². Et voilà, donc on peut citer encore d'autres communes qui ont été faites après, mais voilà, Maluku est un exemple. Et il y en a encore d'autres que je peux citer qui sont des exemples, qui sont créés après, mais on n'a pas su respecter après l'agencement de l'aménagement spatial tel que l'urbanisme le demande, quoi. Je prends l'exemple, par exemple, de Kisenso. Vous avez des tracés, vous avez l'aménagement de l'espace tel qu'il devait être fait a été conçu, mais à la suite, il fallait parfaire ce qui avait été lancé, donc... Voilà, ce n'était pas le cas. Voilà, vous avez dit tantôt que la ville de Kinshasa est urbanisée. Si nous regardons aujourd'hui la ville de Kinshasa d'en haut, vous sentez qu'il y a plusieurs constructions anarchiques. Est-ce qu'avec toutes ces constructions anarchiques, on peut dire que cette ville est vraiment urbanisée? Bon. Au fait, quand nous parlons d'urbanisation, c'est-à-dire nous avons un aménagement spatial. Donc, oui. C'est-à-dire l'espace est organisé de telle enseigne qu'il y a toutes les composantes qui font, je peux donner un exemple, un territoire national, une région, un littoral, un massif, un quartier, des agglomérations, ou même la plus petite entité qui est le bâtiment dans lequel souvent l'architecture intervient. Donc voilà, quand on voit Kinshasa, c'est vrai qu'il y a des constructions anarchiques qui pratiquement à certains égards peuvent bafouer le tracé urbanistique ou bien l'aménagement de l'espace tel qu'il a été conçu à pratiquement 30 ou 50% à certains niveaux, dans d'autres même 70% parce que nous avons des constructions qui sont faites, qui ne tiennent pas compte de l'espace à respecter entre les bâtisses, les voies, des routes, l'adduction en eau, l'électrification, l'évacuation des eaux. Tous ces éléments ne sont pas pris en compte. Ces éléments ne sont pas pris en compte. C'est dans ce sens-là que certains disent que la ville de Kinshasa n'est pas urbanisée. Dire que la ville de Kinshasa n'est pas urbanisée est un peu trop sévère. Parce que vous venez de dire tout de suite que il faut qu'il y ait de l'espace vert, il faut qu'il y ait la canalisation d'eau, il faut qu'il y ait... beaucoup de choses que vous avez citées, mais si nous regardons les tracés de la ville de Kinshasa aujourd'hui, plusieurs éléments manquent. Donc, pour dire ainsi, la ville de Kinshasa a tous ces éléments, mais qui ne sont pas répertoriés comme il se doit et de manière conforme dans certaines communes. Mmh. Voilà. Je vais prendre un exemple simple, pour ne pas dire banal. Je prends l'exemple, par exemple, de Mpassa. Oui. Vous avez des maisons qui sont construites dans les normes, on respecte le tracé de l'avenue, l'espace entre les parcelles, etc., les avenues perpendiculaires ou principales, mais nous n'avons pas d'évacuation d'eau. Ouais. Nous n'avons pas l'adduction en eau telle qu'il se doit, vous voyez. Nous avons peut-être l'électrification à certains lieux, mais nous n'en avons pas ailleurs. Uh-huh. Nous n'avons pas des écoles dans les normes, nous n'avons pas certains lieux d'échange, des jardins, nous n'avons pas des marchés municipaux, vous voyez un peu. Donc, c'est toutes ces choses qui font que, pour bien des égards, pour certaines communes, nous pouvons dire que certaines normes ne sont pas respectées pour l'aménagement des espaces. Mmh. Voilà. On dit aussi que la ville de Kinshasa, les 23 communes, hormis la commune de Maluku, régorgent sur les 12 millions d'habitants, régorgent à peu près 11 millions quelque chose d'habitants, quelque chose comme ça. Mais si vous regardez... Ces 23 communes ne représentent pratiquement le 1/2 de la commune de Maluku. Mais pourquoi tout le monde veut venir comme ça, habiter dans les 23 communes et n'est pas l'aménager au lieu d'aller occuper les espaces qui sont encore inhabités jusqu'à présent? Quelles sont les causes qui font en sorte que tout le monde vienne ici et laisse l'autre côté vide? La petite anecdote, c'est que déjà, quand vous parlez de 12 millions, je ne crois pas que Kinshasa a 12 millions d'habitants. Je crois qu'il y en a plus. Il y en a plus. Je crois qu'il y a plus de 14 millions d'habitants. Peut-être même 15, si ça se trouve. Bon,
nous aurons les... Là, nous sommes basés sur les résultats de 2018. Okay. L'enquête de 2018 a identifié 12 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Mais depuis 2018 jusqu'en 2021, certainement, il y a eu les gens qui se sont ajoutés. Oui, probable. Je crois que Kinshasa est une mégapole. Mm-hmm. Je crois que j'utilise bien vraiment le terme dans son contexte. Parce qu'il y a déjà plus ou moins plus de 10 millions d'habitants, peut-être même 14 millions, peut-être même 15, mm-hmm. si on fait le recensement comme il se doit. Et vous savez, l'autre partie de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire, je peux même dire le sud-ouest, parce que Maluku occupe pratiquement le nord-est de la ville, mm-hmm. et Maluku elle seule représente le 4/5 de la superficie de Kinshasa, comme je l'ai dit au départ, parce que Kinshasa a pratiquement 9960 km². Et Maluku n'a pas, par exemple, je peux dire, comme Jean Reynaud le dit souvent dans une hiérarchisation de l'urbanisme, n'a pas, par exemple, la sociabilité, n'a mm-hmm. pas le centre de l'économie, n'a pas l'administration. Voilà, l'administration... Toutes ces histoires-là, il faudrait les expliquer à nos internautes, à nos téléspectateurs, avec des mots un peu simples pour permettre à tout le monde de bien comprendre. En fait, c'est l'une des manières dont nous concevons l'urbanisation d'une ville. Mmh. C'est-à-dire, il y a des caractéristiques qui entrent en jeu. Je prends par exemple l'exemple que Jean Reynaud dit, c'est l'un des personnalités françaises qui a traité le sujet. Il parle d'une hiérarchisation en forme d'hexagone, oui. où il y a des composantes qui interviennent, c'est-à-dire des caractéristiques comme la sociabilité, je l'ai dit, l'économie et l'administration. La sociabilité, c'est-à-dire les liaisons qui se font entre les différentes couches de la population. Voilà. Et l'économie, c'est ce qui tient pratiquement l'économie d'un secteur, d'une nation, d'une ville, d'une région. Vous voyez, et l'administration, vous comprenez l'administration, oui, c'est oui. toutes les composantes qui doivent gérer de point de vue formel une voilà. cité, une ville et mmh. une région. Et voilà, et toutes ces entités, pratiquement, on peut dire dans la ville de Kinshasa, sont centrées dans la partie sud-ouest, mmh. c'est-à-dire le 1/5 de la ville. Oui. Et de ce fait, il y a une forte concentration de la population dans cette partie. Nous avons le centre de l'administration qui se trouve pratiquement au centre-ville. Au centre-ville, oui. Nous avons l'économie de base qui est pratiquement disséminée dans les produits qui se vendent dans différents secteurs qui, pratiquement en l'occurrence, à 90% se retrouvent au sud-ouest de la ville. Et de ce fait, il y a une forte concentration de la population au sud-ouest de la ville. Nonobstant le fait que comme on peut dire, le district de Tchangou, qui même regorge de Maluku, oui. mais il y a quand même... C'est pratiquement le district de Tchangou qui représente, je peux même le dire, le 3/5 de la population de la ville de Kinshasa. Vous voyez, si nous avons 12 millions, ils ont pratiquement 8 millions. Mm-hmm. Vous voyez, donc du coup, ils ont leur centre d'intérêt au centre-ville ouais. et parfois disséminé dans les différents lieux où l'économie, la vente des produits de nécessité se font dans la ville. Et puis voilà, il y a cette forte concentration par rapport aux besoins. Dans cette partie de la... Donc, ce sont les besoins qui poussent cette population à venir se concentrer dans la partie, vous avez dit, partie sud-ouest oui. De la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, il se pose une question. La commune de Maluku, vous l'avez si bien dit, c'est presque le trois quarts. Je peux même dire le 4/5. Le 4/5 de la ville de Kinshasa, mais c'est une commune qui n'est presque pas habitée. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de créer une nouvelle ville de Kinshasa vers la commune de Maluku pour désengorger un tout petit peu cette partie de la ville de Kinshasa, comme l'avait d'ailleurs proposé le chef de l'État quand il est parti en Égypte. Il a exposé un projet, la ville Kitoko. Il voulait construire une nouvelle ville vers Maluku. Est-ce que ça sera possible qu'on puisse étendre la ville de Kinshasa ou construire une nouvelle ville de Kinshasa vers la commune de Maluku? Voilà, le terme que je préfère pour le cas d'espèce, c'est étendre. Mm-hmm. Pas construire. Pas construire une nouvelle cité. Parce que déjà, Maluku, c'est pratiquement une commune qui est dans la ville de Kinshasa. Quand mm-hmm. bien même qu'elle est périphérique à ouais. la ville. Voilà. Et on peut étendre la ville de Kinshasa justement parce que nous avons, avec Maluku, le 4/5, je peux le dire ainsi, mm-hmm. de l'espace qui n'est pas encore planifié peut-être comme nous le voulons. Et nous pouvons justement étendre la ville à ce niveau-là.
étant donné qu'il y a assez d'espace à exploiter. Ouais. Il y a cet espace à exploiter, il y a possibilité, mais comment procéder? En règle générale, comment procéder? Il y a déjà, il doit y avoir une planification. Mmh. On va l'appeler même une planification au niveau de l'agglomération, une planification spatiale au niveau de l'agglomération, où il y aura des aménagements des espaces. Et je crois que le ministère de l'Urbanisme va s'atteler là-dessus et poser les jalons pour commencer à voir l'étude et faire la faisabilité sur ce qu'il y a à faire, le besoin, le nombre de personnes qu'on va devoir affecter, le nombre de caractéristiques qu'il faut ajouter. Hein. Je prends même s'il faut mettre une administration de ce côté-là, s'il faut mettre un centre économique. Dans ces cas-là, il y aura deux administrations. Il y aura une administration au centre-ville, une autre administration vers Maluku. Vous ne voyez pas dans ce niveau-là. C'est ce que moi, je suis en train de dire, construire une nouvelle ville de Kinshasa. Parce que si vous avez une autre administration là-bas, cela veut dire qu'il y a une nouvelle ville. Non, il n'y aura pas une autre administration régionale ou provinciale à ce niveau, mais peut-être au niveau municipal ou communal. Hein. Mm-hmm. Voilà, comme une représentation. Mais les choses à faire... Peut-être la ramification de l'administration centrale de ce côté-là. Peut-être une ramification justement de l'administration centrale, comme une administration fédérée qui va toujours répondre au centre-ville, par exemple, tel que le concevront le gouvernement. Voilà. Ok. Vous maintenant, je vous prends comme... Je rappelle que vous êtes architecte de formation, bien que vous êtes aussi homme d'affaires. Je vous prends comme... Mettez-vous à la place des architectes du ministère de l'Urbanisme. Mmh. On vous confie ce projet-là. Comment vous allez procéder pour répondre aux besoins de la population? Déjà, en règle générale, pour ce type de projet, on travaille normalement de pair avec des urbanistes parce que c'est leur domaine. Oui. Notre domaine, c'est plus dans le bâtiment et dans son impact sur l'environnement. Okay. Donc voilà. Donc nous allons plus concevoir des bâtiments, des édifices, des espaces qui seront relatifs aux besoins urbanistiques. Mm-hmm. Voilà, aux besoins urbains. Parce que Maluku, faut le rappeler que c'est une commune urbano-rurale. Oui. Voilà. Donc c'est urbanisé, mais il y a aussi des activités rurales. Donc nous allons être en acquaintance avec des urbanistes qui vont nous donner des normes, des projections à respecter. Et nous allons y incrustrer des bâtiments et des édifices, des espaces qui répondront à ce besoin-là. Par rapport à une population donnée, par rapport à un besoin économique donné, vous voyez, par rapport à un besoin social donné. Voilà, vous êtes architecte, je vous mets dans le lot de tous les architectes qui font construire des maisons par-ci, par-là à Kinshasa. Vous voyez que certainement vous n'avez pas beaucoup œuvré ici à Kinshasa. Mais du moins, vous êtes en train de voir comment est-ce que les maisons sont en train de... les immeubles sont en train de piluler. Mais vous, est-ce qu'il y a une reproche à faire à vos amis architectes? Vous, peut-être, si on vous confiait ce projet-là, d'aller élargir la ville de Kinshasa vers Maluku, vous aurez peut-être à rectifier ce que vos amis architectes sont en train de faire ici dans la ville de Kinshasa. Bon, d'un point de vue général, je n'ai pas trop de reproches à faire. La seule reproche que moi, je trouve souvent à faire, c'est par rapport à l'irrigation des immeubles, c'est-à-dire des bâtiments en étage, oui, que nous construisons parfois dans le milieu urbain. Mm-hmm. Je prends l'exemple, on est par exemple à Matongé, nous avons des maisons de plein pied, oui, qui doivent c'est-à-dire avoir... C'est-à-dire qu'on doit avoir des maisons qui ne sont qu'au rez-de-chaussée, oui, ou peut-être rez-de-chaussée à un étage, mais nous voyons des gens construire avec 2, 3, 4, des 5 voisins, niveaux, des immeubles de 2, 3, 4, 5 niveaux, et qui violent par exemple l'intimité des voisins, vous voyez. Et ça, je ne suis pas trop d'accord avec cette approche. Et souvent, je n'apprécie pas cette manière de faire. Et d'un autre côté... Mais là, vous allez continuer, ça ne dépend peut-être pas de vous, hein. Ça dépend des propriétaires aussi. Il veut une maison à 5 étages parce qu'il veut mettre des appartements, gagner beaucoup d'argent. C'est peut-être pas la faute aux architectes, quelque part. Je ne parle pas de la faute aux architectes, j'ai dit la manière de faire. Donc, okay, je n'inculpe pas les architectes. J'inculpe plutôt cette idée-là de vouloir toujours aller en hauteur au moment où nous sommes dans une ville où nous avons la capacité de construire de plein pied. Mm-hmm. Bon.
Nonobstant le fait qu'il y a un besoin aussi de gains économiques, mais je crois que l'approche devrait être revue par rapport aux normes qu'il y a dans un quartier donné, dans une cité donnée. Voilà. Et s'il faut concevoir pour Maluku, vous savez, Maluku a tellement de l'espace que je crois qu'il faut y aller dans un modèle où nous faisons des trucs à plein pied, en gradin, parce qu'il y a beaucoup de collines à Maluku, hein. Ce n'est pas une surface plane. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de collines, il y a beaucoup de vallées, il y a beaucoup de certains plateaux, etc. Et puis voilà, nous allons aller dans un système de construction de bâtiments à de plein pied, tellement qu'il y a assez d'espace pour les ériger, et puis avec le respect des normes tropicaux. Donc voilà, et les bâtiments que nous avons l'habitude de concevoir, pour certains, ne respectent pas les normes dues à nos saisons. Ouais. Vous voyez, donc nous avons des saisons tropicales, donc du coup, il faut avoir des espaces assez larges, avoir des fenêtres assez larges, avoir... entre la clôture et la bâtisse, assez d'espace pour laisser l'air circuler, vous voyez. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut faire. Ce qu'on est en train de voir ici à Kinshasa, vous n'avez pas assez d'espace, vous occupez tout l'espace à construire un immeuble, et patatras, vous manquez de l'espace où prendre un peu d'air. Voilà, pour les immeubles, parfois, on biffe un peu cette mention parce que un immeuble, nous concevons qu'il est conçu en hauteur et puis l'aération peut venir de toutes les directions. Seulement, par moment, nous manquons un peu... ce n'est pas, en fait, la faute ni des architectes ou parfois des maîtres d'ouvrage, mais c'est souvent aussi le concept dans lequel ils prennent le terrain. Ouais. Ils ont un terrain qui a à peine certaines mensurations, certaines mesures, et ils ne savent pas faire vraiment comme ils pensent. Mais néanmoins, je crois que l'architecte est celui qui doit répondre à ces difficultés-là quand il conçoit un bâtiment. Nous revenons à Maluku. Vous avez dit tantôt qu'il faudra construire des maisons qui doivent répondre aux normes tropicales. Quelles sont ces normes qui sont requises pour un climat tropical ou pour les climats de la République démocratique du Congo et de Kinshasa en particulier? Voilà, déjà, en règle générale, quand nous concevons en tant qu'architecte de maison dans un climat tropical, il faut miser pour les constructions où déjà il y a une isolation thermique, c'est-à-dire quand on est à l'extérieur et quand on est à l'intérieur de la maison, il ne faut pas qu'il y ait la même température qu'il y a dehors, ne doit pas être la même température qu'il y a à l'intérieur. Oui. Il faut que la maison soit isolée thermiquement. Il faudra aussi que la maison soit isolée acoustiquement, c'est-à-dire la maison à l'intérieur ne devons pas être dérangée par le bruit de l'extérieur. Et il faut qu'il y ait une aération naturelle. Nous appelons ça en règle générale souvent une aération, une ventilation, parfois mécanique. Vous voyez, donc nous faisons des fenêtres de telle enseigne que les fenêtres ne donnent pas là où le soleil se lève et pas là où le soleil se couche. Oui. Donc nous mettons les fenêtres au nord et au sud par rapport à la géolocalisation, pour permettre à ce que l'air puisse circuler puis qu'il n'y ait pas une forte insolation pour ne pas déranger la température à l'intérieur de la maison. Et nous maximisons sur les ombres par rapport à la maison. Nous ne devons pas mettre une fenêtre qui directement reçoit les rayons du soleil à plein temps, ouais, comme je vous le disais. Il faut qu'il y ait quand même de l'ombre par rapport à la fenêtre. Oui. Pour mettre un dépassement de toiture de pratiquement 80 cm ou 1 mètre, si c'est une maison de plein pied, qui permet assez que quand il y a l'insolation, il y a un angle qui est respecté, pour qu'il n'y ait pas directement les rayons de soleil qui entrent dans les fenêtres des pièces comme le salon de séjour. Dans les chambres, on le recommande pour réveiller, par exemple, les personnes le matin. Mais dans certaines pièces, c'est peu recommandable. Et avoir assez d'espace entre la bâtisse de la maison et la clôture oui. pour que l'air puisse circuler. Et nous le recommandons souvent... À peu près combien de mètres? En règle générale, si le bâtiment n'est pas plus haut de 3 ou 4 mètres, nous recommandons par exemple le double de la hauteur sous plafond. Okay. Parfois même le triple. Bon, c'est-à-dire entre la clôture et la maison, il doit y avoir par exemple 8 mètres ou 6 mètres si la hauteur sous plafond est de 2,50 mètres ou 3 mètres. Vous voyez, donc là, la maison respire pratiquement. Voilà, chers internautes, vous êtes en train de suivre cette émission Face à Face qui reçoit pour vous l'architecte Miché Nyamadjomi Meizo. Il est architecte de formation. Il est également homme d'affaires. Je crois que vous avez le chef de l'État qui avait exprimé son intention de vouloir créer
d'étendre la ville de Kinshasa vers Maluku. Vous êtes en train d'écouter les projets et l'intelligence, disons. Vous avez les projets, mais vous sentez qu'il y a de l'intelligence ici. Si vous pouvez aussi faire recours à l'expertise de cet architecte, ça sera une très bonne chose. Pour l'instant, en tout cas, je sais que vous avez votre équipe de conseillers en matière d'architecture, mais il faut quand même écouter aussi les expertises extérieures. Ça fera énormément du bien, ça pourra apporter quelque chose à l'édifice de cette ville de Kinshasa vers la commune de Maluku. Architecte Michel, nous tendons vers la fin de notre émission. Mais avant de terminer, généralement, dans la ville de Kinshasa, comme je le disais tantôt, il y a quand même certaines normes qui ne sont pas respectées. Il y a dans certaines communes où les normes sont respectées, il y a d'autres communes qui ne sont pas respectées. Je prends par exemple les cas de la commune de Mongafula aujourd'hui. C'est une commune montagneuse. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir des constructions qui sont en train de naître de ce côté-là. Je prends de l'autre côté au sud, Matongé, Kasavubu, ce sont des zones marécageuses. Mais vous voyez que les gens sont en train de construire en étage. Est-ce que ce ne sont pas des risques pour l'avenir? Pour la petite blague je vais faire un petit rectificatif. Michel. Au lieu de Michel. Michel Nyamadjomi. Oui. Voilà. C'était juste pour un peu rire. Hein, voilà. Et Mongafula, vous pouvez construire. Il n'est pas interdit de construire en étage par rapport aux collines, mm-hmm. par rapport aux montagnes, si vous voulez même le dire. Mais juste question de trouver le bon sol. Le ouais. sol qui va recevoir l'assise de la bâtisse. Voilà. Pour Mongafula, il n'y a pas de problème. Et tenir compte aussi de l'environnement. C'est-à-dire... Là, j'ai donné juste l'exemple de Mongafula oui, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, oui. Donc, c'est pour, en fait, hein, vous aider mm-hmm. un peu oui. ou aider ceux qui nous suivent à comprendre un peu le contexte. C'est-à-dire, on peut construire à Mongafula, question de construire dans les normes, mm-hmm. de voir tout le pourtour, c'est-à-dire l'environnement, nous construisons sur le bon sol, il n'y aura pas de répercussions sur des personnes qui sont en aval. Mm-hmm. Et nous-mêmes, nous ne nous sommes pas dérangés par les personnes qui sont en amont. Donc, voilà. Et pour les quartiers marécageux, justement, mm-hmm. nous avons des techniques qui nous permettent, quand nous construisons, de rendre la fondation étanche. Mm-hmm. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, elle ne sera pas attaquée par les eaux mm-hmm. qui composent la terre. Du lieu là okay. où nous construisons. Oui, oui. Construisons. Donc voilà, c'est possible de le faire et de trouver, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le bon sol. Mm-hmm. Voilà, parce que nous avons vu des constructions, par exemple, dans les coins qui sont... fluvial sur pilotis. Oui, oui. On construit avec des pilotis, voilà. J'ai vu quelque part vers Mboudi, au bord du fleuve, les gens ont construit. C'est possible de construire au bord du fleuve, c'est question de le faire dans les normes. Comme je vous ai dit, le pilotis, par exemple. Mm-hmm. C'est-à-dire, nous construisons au-dessus de l'eau, mm-hmm. avec une structure qui soit en bois ou métallique ou en béton, qui est au-dessus du niveau de l'eau, de la marée haute comme basse, vous voyez, mm-hmm. c'est possible de construire ainsi, tout en respectant les normes, bien mm-hmm. évidemment. Donc, voilà. Les inondations aujourd'hui à Kinshasa, il y en a beaucoup. Les écoulements des terres, il y en a beaucoup. Est-ce que ce ne sont peut-être pas les conséquences des constructions anarchiques que nous voyons aujourd'hui? Je suis un peu convaincu que certaines inondations, certains glissements de terrain ou éboulements, mm-hmm. c'est par rapport au fait, je prends d'abord pour le cas des inondations, c'est par exemple la maintenance des canalisations, oui. l'entretien des rivières. Il faut les curer, il faut les draguer, il faut une évacuation des eaux. Vous voyez, nous avons beaucoup de canalisations qui sont bouchées. Uh-huh. Et du fait que les canalisations sont bouchées, il n'y a pas moyen d'évacuer les eaux. Et puis les eaux sont retenues, et puis voilà, il y a des quartiers comme ça qui sont riverains, aux cours d'eau qui sont dans l'inondation. Nous voyons même que parfois, à certains lieux de la ville, mm-hmm. il y a des coins qui sont pleins. Mm-hmm. Parce que quoi, les égouts, les canalisations ne sont pas entretenues. Il n'y a pas une évacuation d'eau adéquate. Voilà pourquoi il y a des inondations. Mm-hmm. Boulement de glissement de terrain, les érosions, comme on dit pour oui. certains lieux, c'est parce que on ne tient pas compte, en amont comme en aval, de la situation
géographique du lieu. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé entre Badiading et Upen. Oui. À l'époque, je ne sais pas si c'était il y a 2 ans ou bien une année, je ne me souviens pas. C'est parce que justement, nous n'avons pas tenu compte qu'en aval, il fallait mettre des soutènements, il fallait retenir toute cette terre qui était en amont. Conséquence, il y a des glissements de terrain, il y a sujet à cette utilisation permanente avec des charges permanentes, ou bien des charges mobilières qui circulaient là. Voilà, nous avons des glissements de terrain qui se font ainsi. Bien, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre entretien. Vous, en tant qu'architecte, en tant que technicien, puisque nous voyons aujourd'hui aussi, ce sont beaucoup plus, bien sûr, ce sont des particuliers, mais beaucoup plus les gens qui sont dans la politique, les gens qui sont dans l'administration, ce sont eux qui sont en train de maître d'ouvrage de ces constructions anarchiques, pour la plupart. Vous, en tant que technicien, qu'est-ce que vous préconisez? Bon, les clients, ils sont les gens. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que les hauts dignitaires. Il y en a beaucoup, mais ici, au Congo, nous en avons l'expérience. Il y en a des tas. Les hauts dignitaires font partie de ces clients, que moi, j'appelle les clients, les gens. Pour la majeure partie. Voilà, ces hommes qui construisent, ben, moi, je leur recommande simplement d'avoir d'avoir un architecte conseil pour tout type de projet, pour l'irrigation des bâtiments et des édifices. Et il faut chercher la personne qu'il faut, c'est-à-dire un architecte, pour concevoir, faire le projet d'un bâtiment. C'est la première recommandation que je fais. Et la deuxième recommandation, c'est celle un peu que nos clients puissent aussi s'instruire sur la chose. Parfois, comme on dit souvent, comme nous blaguons souvent entre nous, collègues architectes, le client veut vous apprendre votre métier. Oui. Vous voyez, il veut vous dire ce que vous êtes censé faire. Or, que vous avez eu à étudier pour ça, vous avez eu à pratiquer pendant des années pour ça. Pour mon expérience, c'est pratiquement plus de 7 ans. Vous voyez. Donc, nous avons des personnes qui viennent, qui veulent nous dicter. Je vous donne un exemple. Quand vous allez voir un médecin, vous n'allez pas dire au médecin qu'il doit vous donner tel médicament. C'est le médecin qui vous consulte. Oui. Qui vous dit ce que vous avez et qui fait des recommandations sur une ordonnance. Et qui peut même vous prescrire des examens à faire. Donc, c'est le même cas pour nous par rapport aux bâtiments, aux édifices et aux espaces à aménager. Donc, le client doit venir, il nous demande conseil, nous voyons quel est son besoin et nous adaptons les normes qu'il faut par rapport aux besoins qu'il a de son projet. Voilà. Aujourd'hui, il y a aussi de ceux-là qui ne consultent pas les architectes. Il y a un certain contre-maître qui est au quartier, il appelle Yaka, Bétélangabor à 2 niveaux, Bétélangabor à 3 niveaux, et ils construisent aussi sans architecte. Est-ce que dans ce cas, il y a aussi des conséquences? Il y a un bon nombre de conséquences déjà. Nous avons l'Ordre national des architectes. Donc, d'office, tous les bâtiments, tous les édifices qui doivent être conçus, en règle générale, doivent passer par une certaine vérification. Nous avons l'Ordre national des architectes qui existe. Je recommande fort à ces clients, à ces personnes qui veulent construire, qui veulent avoir des conceptions, de se recommander à l'Ordre pour les normes et tout ce qui va avec. Et aussi d'éviter de voir les personnes qui ne sont pas habilitées pour les projets de construction. Entre autres, le maçon, entre autres, certains contremaîtres. Il y a des personnes habilitées. Il y a des ingénieurs au bâtiment, les travaux publics, il y a des architectes, il y a des designers, vous voyez. Donc ce sont les personnes qu'il faut voir pour commencer des projets. Ce sont les gens à voir. Nous tendons vers la fin de cette émission. Ça sera la dernière. Ça ne sera pas une question. Je vais vous demander, vous allez vous adresser aux internautes qui sont en train de nous suivre. Votre mot de la fin, ça sera quoi votre mot de la fin? Je ne sais pas, ça c'est votre secret. Il y a aussi de ceux-là qui veulent construire, il y a de ceux-là qui veulent peut-être devenir architecte comme vous, il y a de ceux-là qui veulent beaucoup de choses. Vous allez certainement adresser un message à tous ces gens-là en tout cas, qui sont en train de vous suivre. Mais avant d'adresser ce message-là, vous êtes venu nous rendre visite pour la première fois. Comment est-ce que vous avez trouvé Léon Joléo et l'organisation? Pour Léon Joléo, laquelle était chaleureuse, je me suis senti pratiquement un peu comme à la maison. Hein. Il n'y a pas eu
comme nous on appelle ça, cette glace. Vous savez, on utilise souvent le terme, il faut briser la glace, c'est-à-dire les formalités d'usage, être un peu restrictif. Non, je me suis senti un peu comme si j'étais dans mon bureau. dans mon bureau. Voilà, donc l'accueil était chaleureux et il y a cette simplicité d'échanger, de faire les choses, de voir le point de vue. Voilà, c'est ce que j'apprécie avec le Honjo Léo. Et pour ce qui est de mon domaine, je conseillerais à ceux qui veulent se lancer dans l'architecture. C'est un domaine qui est assez complexe, qui demande beaucoup de passion, qui demande beaucoup d'abnégation. Donc il faut se donner, il faut apprendre, il faut aller rechercher de nouveaux horizons et ne pas être dans une, comment je peux dire, dans un cube. Hein. Il faut vraiment s'ouvrir l'esprit pour ceux qui veulent apprendre l'architecture. Et ça prend tant d'années en fonction de la formation que vous voulez, ici en RDC ou bien ailleurs dans le monde. Et voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent construire, je les recommande de toujours aller vers les personnes attitrées, c'est-à-dire les ingénieurs en bâtiments et travaux publics, les architectes en l'occurrence, et puis d'écouter. Et parfois, les gens ont peur de nous par rapport aux finances. C'est ça aussi le grand problème. Ils doivent comprendre que les projets aussi sont adaptés. L'architecte sait conseiller son client par rapport à sa pochette financière. Donc voilà. Beaucoup de clients viennent avec des idées, des grandes idées, mais parfois, ils n'ont pas les finances qu'il faut. Nous adaptons les projets en fonction de la pochette financière du client. Nous sommes capables de le faire. Ça fait partie de notre travail. L'économie, au fait, financière adaptée à un projet, cela fait partie de notre travail. Donc voilà, qu'ils ne puissent pas avoir peur, qu'ils puissent, autant qu'ils vont voir des médecins, autant qu'ils vont voir des avocats, autant qu'ils vont voir des pharmaciens, pour le bâtiment, ils doivent se référer aux personnes habilitées que nous sommes, comme les ingénieurs, pour avoir des bâtiments et des édifices qui sont construits dans les normes. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que Michel, vous avez dit moi, que ce soit Michel ou Michel... Mais Michel, je préfère comme vous l'avez voulu, Michel Nyamadjo Mimeizo, vous êtes architecte de formation et puis homme d'affaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci également pour votre disponibilité. Je crois que c'est une première, mais ça ne sera pas une dernière. À chaque fois que nous aurons besoin de votre expertise, nous allons faire appel à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers amis de Honjo Léo, je vous dis un grand merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Est-ce que la ville de Kinshasa est urbanisée? Nous nous sommes posé cette question et nous avons dit, par rapport au projet de la ville Kitoko du président de la République pour... construire, lui, il avait dit il faut construire, mais l'architecte nous a proposé le terme de étendre la ville de Kinshasa vers Maluku. Quelles sont les possibilités? Comment procéder? Vous avez suivi en tout cas toutes les réponses avec notre architecte que nous avons reçu aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir prêté votre attention. Merci à Thierry Batondoko qui était au cadrage. Exaucé Odinga. Qui nous a aidé pour la partie technique. Un grand merci à Odon Boulamba qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande. Un grand merci également à l'ensemble de l'équipe de Honjo Léo. Vous et nous, on se retrouve à la prochaine.